Bonsoir à toutes et à tous. Le réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal vous souhaite la bienvenue à l'événement virtuel de ce soir. Mon nom est Karine Plouffe, je suis conseillère aux relations avec les diplômés de l'école d'optométrie et c'est avec grand plaisir que j'ouvre l'événement de ce soir, Intervention communautaire en optométrie. Merci à toutes et à tous d'être parmi nous. Avant de laisser la parole à notre animateur, j'aimerais d'abord mentionner que l'événement de ce soir sera enregistré et diffusé ultérieurement. Nous préférons donc vous en aviser. Tout au long de l'événement, vous pouvez en tout temps poser vos questions à nos invités en utilisant le bouton clavardage en bas de votre écran. Nous, nous essayerons de répondre à un maximum de questions après la discussion de nos panélistes. Maintenant, sans plus attendre, j'invite docteur Langis Michaud, directeur de l'école d'optométrie, qui a généreusement accepté d'animer l'événement de ce soir à débuter la conférence. Bonsoir, docteur Michaud, et merci d'être parmi nous. Ah voilà! Ah, voilà. Bon. <laughs> ben, bonsoir, ben, Dr Michaud. <laughs> remarquez, c'était probablement beaucoup mieux comme ça. <rire> <rire> non, on est très content de vous voir ce soir. Ben, moi aussi, je suis content de vous voir, content de voir qu'on a, on a beaucoup de diplômés avec nous ce soir. Oui, donc euh, effectivement, on a, on a aussi euh, des diplômés qui, qui sont illustrés en communautaire et qui sont illustrés avec la vision des enfants. Bien, octobre, c'est le mois de la vision des enfants. Alors, c'est pour ça qu'on célèbre ce soir euh, cet événement-là. Alors, c est, c est non seulement la vision des enfants réunit nos trois participants ce soir, mais l'engagement communautaire les réunit aussi. Et je dirais, au-delà de ça, la passion de l'optométrie, la passion de leur profession, la passion de soigner des gens, de redonner la vision des aux gens, de, de redonner les possibilités à un enfant de, de développer son plein potentiel. Euh, J'ai connu évidemment les trois, puis on a devant nous, là, évidemment, différentes générations d'optométristes qui ont vécu les, les combats de la profession pour se développer, mais qui ont, qui ont toujours, donc porter très haut ce flambeau euh, d'aider les gens euh, en première, deuxième ligne, troisième ligne, peu importe la ligne où on est, mais d'aider les gens, point de la ligne, et, et de, de donner le meilleur à nos enfants. Alors donc, euh, certainement, on va les inviter à se joindre à nous. On va les inviter à, à se présenter. Euh, alors, euh, j'ai Dr. Carole Melançon, euh, qui est une, une optométriste un peu plus expérimentée que nos deux autres collègues, mais qui amène donc tout son bagage avec nous, euh, qui participe aux dépistages Stage à l'école de la vue qui a été au Mali en communautaire et qui, je pense, a donné énormément à sa profession au cours des années pour avoir connu Carole depuis longtemps. C'est euh, quelqu'un à qui on doit beaucoup dans notre profession, là, qui a inspiré beaucoup de ses collègues. Euh, donc, Carole, bonsoir. Euh, quelques mots pour te présenter en plus de ces, de ces euh, quelques mots d'introduction? Micro, micro peut-être? Non, euh, l'animateur doit ouvrir le micro aussi. Ah, voilà. Voilà, mais ben voilà. Donc, euh, oui, ben tu l'as dit, Langis, je suis plus âgée. Donc, euh, moi, je suis une promotion 79. Alors, je suis vraiment rendue dans le haut de la pyramide des âges des, des optométristes. Euh, J'ai été assez rapidement immergée dans ma pratique en rééducation visuelle. C'est devenu d'ailleurs le cœur de ma pratique, centrée euh, beaucoup chez les enfants et chez les enfants en difficulté scolaire. Euh, Très rapidement, aussi dans ma pratique, j'étais impliquée au conseil d'administration de l'Association des optométristes. Je me suis occupée de divers comités, euh, la formation continue, dans le temps, le CPRO n'existait pas, les congrès, l'information, communication, la revue. Ça m'a permis de côtoyer plusieurs optométristes hors Québec. C'est d'ailleurs grâce à un de ces optométristes hors Québec en France-là, un bon ami en France, que j'ai connu l'école d'optométrie à Bamako où je suis allée enseigner deux années consécutives. Euh, maintenant, depuis septembre 2020, je suis à la retraite, ben pseudo-retraite, mettons, oui, quand même. Euh, J'aurais voulu continuer un peu d'international, mais évidemment, la situation géopolitique et pandémique euh, bloque complètement tous les projets. Par contre, je continue à faire du mentorat à distance et comme tu l'as dit, j'ai continué, je continue à travailler au niveau de l'école de la vue. Parce que je considère que c'est super important, ça permet à mon avis de changer des vies. Et je trouve personnellement que l'optométrie, c'est une profession qui est magnifique pour permettre de changer des vies. Moi, ça a été mon leitmotiv tout au long de ma pratique. C'est ce qui a fait que j'ai gardé la passion au fil des années. Voilà. Merci beaucoup, Carole. C'est inspirant comme, comme mot. Puis je pense que beaucoup d'optométristes pourraient prendre exemple sur ta carrière. Ils seraient très heureux après toutes ces années. Là, et et pourraient dire mission accomplie. Check, hey. euh, certainement. Docteur Marie-Lou Garon, donc collègue ici à l'école, professeur adjointe. Euh, Évidemment, en pédiatrie et en vision binoculaire, responsable surtout du module clinique d'optométrie pédiatrique et du volet des soins visuels de la clinique L'Extension. Donc, Marie-Lou, te présenter, nous parler peut-être un peu brièvement de L'Extension. Euh, oui, oui. Bien, en fait, euh, moi, je suis un peu euh, entre les, mes deux autres collègues sur le panel ce soir. Donc, j'ai gradué en 2006 de l'école d'optométrie. Puis après, j'ai effectué une maîtrise en électrophysiologie visuelle, puis une résidence aux États-Unis. Je suis restée là quelques années. Puis après, vers 2000, début 2013, je suis revenue à Montréal. Puis j'ai commencé à travailler en clinique privée, puis aussi à l'école d'optométrie, d'abord comme clinicienne, puis chargée de cours. Puis j'ai eu l'opportunité de justement commencer à travailler avec l'équipe de, de cliniciens en pédiatrie, entre autres. Puis euh, à ce moment-là, c'est là que j'ai développé un peu plus mon intérêt aussi pour l'optométrie pédiatrique. J'en avais fait un peu avant aussi. Euh, donc euh, maintenant, depuis 2019, je suis professeure adjointe, là, principalement en pédiatrie, en électrophysiologie, puis euh, maintenant un peu en vision binoculaire. Puis euh, on va avoir un nouveau cours cette année pour euh, les populations à besoin particuliers. Euh, donc. Euh, je suis aussi responsable là, du volet optométrique de l'Extension, qui est un centre là, qui a été euh, euh, en partenariat avec d'autres facultés de l'Université de Montréal, dont médecine dentaire et la faculté d'éducation. Puis, on offre en fait des services là, aux élèves de, de Parc ext Extension pour euh, essayer de leur donner tous les outils euh, possibles pour euh, favoriser leur réussite. Et disons, la vision est un. Euh, une grosse portion de la réussite des enfants là, en milieu scolaire. Donc, euh, on espère que, que le projet euh, va porter ses fruits comme, comme euh, ce, qui, ce qui est espéré là, par euh, tous nos donateurs et toutes les personnes impliquées dans le projet. Merci beaucoup. Alors, pour, voilà. ceux, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'extension, c'est le quartier le plus multiethnique de Montréal où on a le plus de nouveaux immigrants. Euh, donc, il y a des enjeux de francisation, des enjeux socio-économiques. Les enfants arrivent à l'école, doivent se franciser, doivent se familiariser avec leur milieu et très souvent n'ont pas eu, évidemment, de soins visuels dans leur pays d'origine. Donc, euh, c'est une population très à risque et, et l'université a décidé de s'impliquer et bravo, Marie-Lou, pour euh, cet effort-là. Parlant de population particulière, euh, ça nous amène à Dr. Mathieu Coury. Euh, récemment, Graduée, notre plus jeune optométriste sur le panel, mais qui est déjà une star montante dans la profession, qui s'illustre déjà de plusieurs façons, euh, qui est à la fois en clinique communautaire, qui euh, participe à la clinique regard collectif, fait sa résidence en optométrie communautaire et aussi en base vision, qui est un autre type de particulier, euh, particulier de, aux besoins spéciaux. Alors, Mathieu, quelques mots pour te présenter, s'il vous plaît. Oui, bien, merci, docteur Michaud. Je n'aurais pas dit que j'étais une star. Euh, mais, euh, non, moi j'ai que... le droit de le dire. <laughs> <laughs> C'est vrai que euh, j'ai gradué en 2020, donc j'ai à peine un an d'expérience, mais en ayant fait la résidence en optométrie communautaire, euh, j'ai eu vraiment l'occasion de participer à plein de projets d'optométrie de, communautaire. Cette résidence-là, je l'ai fait euh, sous la direction de Benoît Tousignan, que vous connaissez probablement tous, euh, qui est un pionnier dans le domaine aussi. Euh, puis, dans cette année-là, j'ai eu une pratique qui était justement plus euh, d'optométrie reaching out, dans le sens que euh, j'allais vers les patients. Souvent, on allait dans leur milieu de vie au lieu d'attendre qu'ils viennent à nous. Euh, c'est ça qu'on a fait en CHSLD c'est ça qu'on a fait dans les cliniques pour les personnes itinérantes. Euh, on a été sur la côte nord, au Nunavik, en Abitibi, Témiscamingue, dans des régions plus isolées. Euh, dans des communautés alloctones et autochtones. Puis j'ai aussi participé à l'école de la vue dont docteur Melançon vous a parlé tantôt. Euh, en terminant ma résidence, j'ai aussi eu l'occasion de participer à un projet de recherche euh, à Grassy Narrows. C'est une communauté en Ontario où il y a eu un gros déversement de mercure dans le lac euh, il y a plusieurs dizaines d'années. Et ce lac-là, les habitants de Grassy Narrows, euh, c'est là qu'ils pêchaient leurs poissons. Donc, le, les chercheurs voulaient voir euh, quels étaient les impacts neurologiques, quels étaient les impacts visuels de cette intoxication au mercure. Euh, donc, j'ai vraiment eu beaucoup de belles opportunités. Puis, maintenant que j'ai fini ma résidence, euh, je fais de la pratique privée, mais je garde aussi un pied dans le communautaire à la clinique mobile de l'Université de Montréal. Euh, effectivement, je fais euh, l'Institut Nazareth-Louis Braille avec les enfants. C'était. Je n'ai pas fait la résidence en soi dans ce domaine-là, je l'ai fait un peu comme travailleur euh, autonome, puis c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, que j'ai décidé de conserver. Et euh, je travaille aussi un peu dans les pénitenciers fédéraux. Euh, puis en même temps, en parallèle, je participe comme consultant à un projet de développement des soins de la vue dans les communautés autochtones au Québec. Euh, donc il y a vraiment plein, plein de projets euh, en communautaire qui sont. Sont en cours en ce moment, puis c'est ça qui m'allume, c'est ça que je continue à faire. Voilà un bel exemple de l'optométrie plurielle, de l'optométrie qui s'exprime dans toutes les facettes. Et si Carole disait qu'on change les vies, euh, je suis bien d'accord et c'est probablement parce que l'optométrie nous permet d'aller partout. De rejoindre toutes les personnes, peu importe leur condition, leur âge, leur sexe, leur origine. Euh, en tout cas, il n'y a pas de, de racisme systémique en optométrie, c'est clair. Euh, on, est, on est là pour servir tout le monde et on sert tout le monde. Donc, bravo Mathieu pour ton exemple. Ça peut inspirer aussi euh, beaucoup de gens qui sont avec nous ce soir. Alors, on va y aller avec maintenant des, euh, notre discussion de groupe. Alors, je vous invite tous les trois à intervenir à tour de rôle. On a des thèmes particuliers, puis on pourra intervenir un peu euh, euh, tout le monde là-dessus. Puis, les gens du public, les gens des, des diplômés qui, nous, qui sont avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le clavardage à les poser. Nous allons les monitorer et à la fin, nous pourrons euh, y répondre, évidemment en essayant de euh, respecter le délai, mais respecter tout le monde et, et essayer de, au moins de, de, de répondre à la question que, que vous aurez posée. Si vous la posez, il y a, dans, il y a plein d'autres qui la posent, alors ça vaut la peine d'écrire. Alors, premier thème, l'impact de l'expérience communautaire sur la pratique. On va commencer par Marie-Lou. Alors, Marie-Lou, après avoir travaillé en pratique aux États-Unis, comme tu l'as souligné dans ton, dans ton mot, euh, évidemment, tu as développé un intérêt pour les jeunes enfants, les populations avec des besoins particuliers. Euh, comment est-ce que tu es venu à cette réalisation et comment l'expérience en milieu communautaire va changer, dans le fond, la pratique optométrique classique et que, auquel peut-être tu étais destiné quand tu as gradué? Oui, bien, en fait, même avant là, de, de m'impliquer à l'école, même pendant ma résidence aux États-Unis, j'ai déjà été exposée justement à des populations particulières. On avait une clinique parce qu'on voyait entre autres des adultes avec déficience intellectuelle. Donc, j'ai déjà eu une expérience là, puis j'ai trouvé que c'était très enrichissant. C'est difficile parfois d'aller rejoindre ces patients-là, mais c'est vraiment une expérience que j'ai trouvée enrichissante. Puis après encore aux États-Unis, j'ai travaillé euh, avec des patients avec problèmes cognitifs aussi euh, dans ce qui est l'équivalent de nos CHSLD. Donc, ça m'a donné une autre expérience-là. Puis, quand je suis revenue ici au Québec, comme j'ai dit, j'ai eu l'opportunité de commencer euh, à l'école d'optométrie en pédiatrie et on voyait aussi les patients avec besoins particuliers. Et euh, dans les deux cas, euh, c'est un peu la même, la même adaptation, je dirais, que ce soit avec les enfants, avec les, problèmes, les patients avec des besoins particuliers. Il faut adapter nos techniques, il faut adapter notre approche et je pense que c'est ça que, que j'ai dû changer le plus. Donc, il faut se faire confiance aussi. Je pense qu'en fait les tests. On doit se fier beaucoup sur des tests plus objectifs. Euh, souvent, quand on est à l'école, bon, on fait notre histoire de cas, on, on, on s'attend qu'on reçoive toutes les réponses du patient pour arriver à un diagnostic, arriver avec la lunette parfaite. Mais avec les enfants, les patients à besoins particuliers, il faut beaucoup, beaucoup se fier euh, sur notre éthinoscopie, sur d'autres tests là, que, que peut-être, euh, quand on gradue, on est moins à l'aise avec. Puis je pense que c'est ça surtout que, que j'ai dû changer dans ma pratique. Mais euh, au début, on a peut-être des jeunes diplômés ici qui commencent à pratiquer. Au début, c'est sûr que c'est difficile, mais plus on en fait et plus euh, je dirais que c'est gratifiant. Puis euh, c'est souvent des patients avec qui on va créer des liens. Les enfants, par exemple, on les revoit. Euh, des fois ou deux mois ou trois mois, on crée des liens avec les patients, avec les, la famille. Puis ça m'est arrivé de des fois prendre trois, quatre rendez-vous avant d'être capable de donner une prescription de lunettes. Mais au bout de ces rendez-vous-là, on a gagné la confiance du patient. Puis euh, honnêtement, c'est quelque chose qui est très gratifiant. Puis, on a vraiment l'impression de faire un changement dans la vie euh, de ces patients-là, là, comme tantôt Carole le mentionnait. Euh, euh, donc, euh, moi, je trouve que c'est une pratique que. Qui gagnent à être développés. On n'est peut-être pas beaucoup des fois qui, qui se sentent à l'aise de voir ces patients-là, mais je pense que, que c'est important. Puis, Essayez de, de voir ces patients-là. Si jamais vous n'êtes pas capable, référez-les, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer euh, et de développer cet, euh, cet aspect-là de la pratique. Ouais, deux, deux points importants à référer entre nous si on ne le fait pas assez souvent, puis je pense mm -hmm. qu'on a chacun des expertises. Hein. Comme quelqu'un disait, on ne sait pas tout, mais à la gang, on, on le sait. Euh, donc, euh, il, il faut vraiment se référer entre nous. Mais petit point très rapide, 30 secondes cognition et vision. Quelqu'un qui a des d'apparence, n'a pas de cognition. C'est Alzheimer profond, quelque chose comme ça. As-tu déjà vu des patients chez qui tu procurais des soins visuels ou une lunette quoi que ce soit? Ou à un moment donné, il y a une lumière qui s'allumait dans les yeux ou il y a quelque chose qui, faisait, qui disait ben finalement, quand on stimule cette personne-là de façon adéquate, peut-être que ça vaut la peine. Euh, je te dirais que bon, les patients avec qui j'ai travaillé, comme ça, où je faisais des examens euh, avec des problèmes cognitifs majeurs, là, entre autres des gros problèmes de mémoire, euh, etc., euh, le problème que je rencontrais à ce moment-là, c'était peut-être le lieu où on faisait les examens. Euh, c'est que souvent, bon, on essayait de joindre la famille, puis on disait peut-être une chirurgie de cataracte, ça pourrait aider le patient. Tu sais, si le patient ne voit rien, c'est sûr qu'il est pas stimulé. Mais des fois, c'était difficile de rejoindre la famille oui. et de con, les convaincre que euh, ça va peut-être changer quelque, quelque chose. Ouais. chose là. Euh, puis souvent, malheureusement, il n'y avait personne de présent à l'examen. Il n'y avait pas de famille, il n'y avait pas rien. Donc, euh, je trouvais ça dommage. Mais moi, je suis convaincue que justement, ces patients-là, euh, qui avaient des cataractes avancées, tout ça, que ça l'a sûrement nuit euh, à leurs conditions, le fait de… Depuis avoir des stimulus visuels, souvent c'est les seules choses qu'ils ont à faire, c'est justement essayer de lire, de faire des choses avec leurs yeux. Euh, malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup d'expérience avec euh, justement les patients qui ont, qui ont pu avoir là, euh, Peut-être okay. les traitements qu'il aurait dû avoir à cause du contexte, mais euh, moi, je suis convaincue que ça a un effet sur, voilà. sur la condition de ces patients-là. Je ne sais pas si Carole a eu des, des expériences ou Mathieu. Là, euh, je pense que Mathieu était lancé en CHSLD aussi. là. Je ne sais pas si euh, de ton côté. Euh, moi, c'était des patients avec assez lourds. C'était des patients. là. Euh, J'avais certains patients même qui, euh, qui ne parlaient plus, euh, qui étaient alités, etc. Donc, euh, peut-être des patients. En stade un petit peu moins avancé, on aurait plus de, euh, de feedback. Ouais. Je ne sais pas, Mathieu, si tu as eu de l'expérience. Euh... En, en fait, euh, il existe des études même qui montrent que pour les personnes qui ont des troubles cognitifs euh, majeurs, euh, une opération de chirurgie de cataracte, ça améliore leur qualité de vie euh, parce que ça facilite la prise de repas, ça facilite la reconnaissance faciale, mm -hmm. euh, ça diminue le risque de chute. Donc, même si c'est quelqu'un... Euh, dont la famille nous dit ben il regarde plus la télé il lit plus il y a plein d'impacts positifs à faire ces changements là les études ont réussi à montrer que dans les, les cas de, euh, de démence légère et modérée il y a un impact positif c'est juste dans les cas de démence avancée que c'est plus dur à prouver avec des études mais théoriquement puis moi j'en suis convaincu je suis sûr que ça a un impact positif euh, que ce soit une, une chirurgie de cataracte ou une correction optique, si c'est un, 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 une amétropie significative, etc. Là. Mm -hmm. Super. Oui. Je ouais. rajouterais juste un mot. Euh, moi, j'ai déjà eu des patients qui ont eu du Parkinson relativement avancé et les conjoints étaient très motivés pour essayer de garder certaines habiletés. Puis je me souviens d'avoir travaillé des exercices visuels avec ces patients-là comme avec des jeunes enfants d'ailleurs qui ont eu des tumeurs, et ça améliore la qualité de vie parce que dans la vie de tous les jours, il y a plusieurs actions qu'on va porter. Ce n'est pas juste de la télévision, ce n'est pas juste des actions cognitives. Alors, comme dit Mathieu, effectivement, je pense qu'on peut améliorer beaucoup. Je retiens de ça qu'il ne faut pas probablement avoir d'a priori. Il ne faut pas juger d'avance hein, d'une situation. Il faut peut-être l'essayer pour voir ce que ça va donner. Ça me fait... Euh, on va continuer avec toi, Carole. Ça me fait euh, sauter sur ton expérience au Mali en parlant d'a priori et d'attente. Euh, comment on arrive au Mali? Est-ce qu'on y arrive avec une appréhension de ce qui va se passer? Est-ce que tu avais idée? Est-ce que ce que tu trouvé correspondait à la réalité que tu avais présumée? Comment on se prépare à ce genre d'événement-là? Il y en a qui ont fait des missions peut-être à l'étranger ou qui voudraient faire des missions d'aide humanitaire. Là. Alors, comment on se prépare à ça? En fait... Euh... C'est au moment où on a pris la décision de prendre un congé sabbatique, mon conjoint et moi de six mois, euh, qu'on a décidé d'essayer de jumeler une expérience justement de collaboration internationale ou de coopération internationale. Ce pas une mission humanitaire comme telle, c'était plus l'idée d'essayer d'aller renforcer des capacités. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est par un contact que j'ai eu euh, les coordonnées de l'école d'optométrie à Bamako. Et finalement, ben, j'ai plongé, j'ai fait une offre de service. Moi, optométriste, mon conjoint, lui, est prof de physique au cégep. Donc, ça se prêtait très bien. J'allais le reconvertir en prof d'optique géométrique ou optique appliquée. Puis, on a fait une offre de service qui a été acceptée. Puis, l'aventure a été lancée. On s'est lancé en freelance, vraiment dans l'inconnu. Tout ce qu'on savait, c'est que c'était une école d'optométrie qui était à sa troisième année d'existence. Il y avait des étudiants donc de troisième année. Il n'y avait pas de ressources humaines pour donner certains cours comme vision binoculaire, comme laboratoire d'optométrie. Donc, c'est ce qu'on attendait de moi à ce moment-là. Et mon conjoint lui enseignait au première deuxième justement l'optique physique. Ce, que, ce qui m'a surpris, ce que je savais pas, par contre, c'est que c'était un peu compliqué d'avoir du matériel pédagogique ou des notes de cours. Il y en avait, il y en avait évidemment pas là-bas, mais le partage de ce matériel-là, libre de droit d'auteur entre le nord et le sud, c'est un sujet un peu compliqué et délicat, de sorte que, euh, à ma grande surprise, ben, j'ai été obligée de réinventer la roue et de refaire finalement l'écriture d'un cours complet de, de vision binoculaire. Euh, ce que je ne savais pas non plus, c'est qu'il n'y avait dans le fond pas beaucoup d'équipements optométriques. Donc, euh, comme le Québec est très généreux, j'ai fait un appel aux collègues optométristes et puis. Euh, j'ai reçu euh, vraiment ça m'émeut ça encore. J'ai reçu une tonne d'équipement et littéralement 970 kg d'équipement qu'on a envoyé par cargo euh, au Mali. Donc c'était des visomètres, des biomicroscopes, euh, des lentilles. On a en tout cas, on avait comme une tonne d'équipement qu'on a réussi à envoyer et on a réussi à l'envoyer justement parce qu'on a fait un deuxième appel de dons pour être capable de financer ça. Ben oui, évidemment. Euh, Qu'est-ce que je savais à quoi m'attendre? Pas du tout. Euh, il y avait une petite promesse d'avoir un logement, puis une petite promesse d'avoir un pécule de subsistance. Et on s'est lancé avec l'espoir de, de, de rencontrer nos attentes. Et les attentes étaient de, de pouvoir aider à développer, euh, de développer une nouvelle école d'optométrie, puis de développer aussi une profession là-bas, parce que l'optométrie n'existait pas au Mali à ce moment-là. Donc, euh, est-ce que je recommencerai Oui, n'importe quand. D'ailleurs, on a récidivé une deuxième année consécutive. Euh, mais je pense qu'on plonge dans ça sans trop savoir. Il y a un petit côté très téméraire. Euh, puis on y va avec notre bonne volonté, notre bon cœur. Puis finalement, euh, ça finit par se passer bien. C'est ouais. bon. Ben merci beaucoup. Beau témoignage. Mathieu, j'imagine que c'est un peu la même chose. Toi, qu'en optométrie communautaire, la résidence, ce désir de, de se jeter dans un peu l'inconnu pour aider euh, sans trop savoir ce qui arrive. Parle-nous un peu de ça pendant quelques minutes. Oui. Euh, ben, moi, la résidence, en fait, euh, ce qui m'intéressait vraiment au départ, c'était précisément de travailler avec les personnes en situation d'itinérance. Ça, j'avais eu la piqûre euh, euh, quel, avant même que je sois en optométrie, j'avais fait du bénévolat à l'accueil bonneau, puis j'avais vraiment aimé ça. Je m'étais dit je veux trouver une façon d'intégrer ça à ma pratique plus tard. Euh, quand j'étais en deuxième année d'optométrie, Docteur Tousignan a mis sur pied la clinique mobile, qui a commencé à desservir ces organismes-là. Euh, ensuite, il a fait la résidence en optométrie communautaire. Donc, pour moi, c'était vraiment, euh, vraiment l'occasion de faire ma pratique idéale, puis en plus de le faire, euh, d'apprendre à le faire sous la supervision d'un mentor exceptionnel. Euh, ce que je ne savais pas avant de faire ma résidence, c'est toute la variété. De propositions qu'on recevrait en optométrie communautaire. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi large. J'ai l'impression que c'est vraiment un domaine fleurissant. Ai, je l'ai dit un peu au début. Puis ce que je voudrais dire aussi par rapport à ça, c'est que s'il y a des, des nouveaux optométristes ou des futurs optométristes qui sont intéressés par ce domaine, je vous encourage vraiment à y aller. C'est comme je dis, c'est fleurissant, puis il y a plein d'opportunités qui sont là présentement. Euh, puis, moi, la résidence a, a clairement eu un impact sur mon, sur mon parcours encore aujourd'hui, un an plus tard. Euh, premièrement, j'ai rencontré plein de personnes inspirantes, puis deuxièmement, j'ai pu expérimenter, puis réaliser concrètement euh, l'importance de l'optométriste en première ligne. Euh, quand on voit des gens qui ont des cataractes qui les rendent complètement aveugles au point où ils sont plus capables, de travailler ou ils sont plus capables de trouver la porte d'ascenseur pour se rendre chez eux. Quand on voit des, des myopes de moins 5 qui vivent sans lunettes depuis, euh, depuis deux ans et qui n'arrivent pas à avoir un rendez-vous en optométrie parce qu'ils sont en prison ou parce qu'ils sont dans une région isolée, on réalise vraiment qu'il y a encore un besoin très fort pour l'optométrie de première ligne. Mais là, on parle, on parle pas du tiers-monde, on parle du Québec. C'est au parle Québec. De la société avancée. Et, ouais. et l'optométrie communautaire, c'est oui, on peut aller à l'international comme Carole, c'est très bien. Mais euh, la misère est, est distribuée euh, équitablement à travers la planète. Hein, et ça peut être dans notre cours et, et il faut s'en occuper aussi. Merci ouais. de, de, de le faire. Passons maintenant à notre deuxième thème. Euh, on est habitué de collaborer avec les médecins, on est habitué de collaborer avec les ophtalmologues, on parlait de cataracte, là, de référer à des patients, à, à des, des patients aux ophtalmologues, bon ça va assez bien, on connaît le système de santé tout ça, mais chacun d'entre vous à l'extension, euh, euh, Carole dans son expérience avec les, le milieu scolaire, avec l'école de la vue, toi dans le milieu communautaire, on est appelé à, à collaborer avec d'autres intervenants auxquels on n'est pas nécessairement habitué. Alors, je commence par Marie-Lou encore. À l'extension, peux-tu nous décrire un peu les professionnels avec qui tu, tu collabores, puis de quelle façon tu t'organises, comment on apprend ce langage-là qui doit être nouveau un peu pour un optométriste euh, Oui, euh, c'est sûr que l'extension est un peu à, à ses débuts en termes de, de collaboration parce que à cause de la pandémie, ça a retardé un petit peu l'entrée dans les locaux comme tel. Euh, mais c'est sûr que nous on travaille euh, d'abord avec les enseignants de, des écoles qui sont impliquées. donc euh, c'est eux les, les premiers euh, les premières personnes qui vont noter des, des problèmes chez les enfants oui on va faire des dépistages etc mais eux ils sont vraiment avec les enfants puis euh, c'est eux qui vont remarquer là, les problèmes donc euh, euh, ensuite il y a toute l'équipe euh, qui est lié à la faculté d'éducation, qui est là aussi pour aller traiter les problèmes d'apprentissage, les problèmes de lecture, etc. Mais nous, notre rôle là-dedans, c'est un de s'assurer que les enfants n'ont pas de problème visuels qui va entraver leur apprentissage. Mais quand je parle visuel, pas juste un besoin de lunettes, ça peut être aussi des troubles de vision binoculaire, des problèmes de convergence, etc. C'est sûr que si on envoie l'enfant faire des traitements pour ses problèmes d'apprentissage, mais que finalement, euh, il était plus huit, puis il n'a jamais eu de lunettes. Euh, ça part pas bien là. Déjà les, les traitements. Euh, dans le, le centre aussi, l'extension, il y a aussi médecine dentaire qui est là pour toute la prévention puis aussi le traitement, les soins dentaires. Euh, puis éventuellement, il devrait y avoir aussi d'autres gens qui vont se, se greffer au projet. Donc c'était les trois facultés ou écoles. Euh, au départ, euh, mais je suis sûre qu'on va être appelé à, à travailler avec encore plus de professionnels. Dans les écoles, il n'y a pas juste les enseignants, là, les écoles justement avec qui on travaille, entre autres, l'école Barclay, qui est au cœur du, du quartier euh, L'Extension, puis qui accueille, comme Langis le dit, beaucoup, beaucoup de nouveaux arrivants. Euh, ils ont toutes sortes de professionnels des orthophonistes. Euh, euh, C'est un gros groupe là, qui, qui travaille avec les enfants. C'est tous des gens très, très euh, Passionnés et motivés et ils veulent vraiment que, que leurs élèves là, puissent aller chercher le, euh, le maximum de ressources pour, pour réussir. Donc, euh, je suis certaine que dans les prochaines années, là, on devrait intégrer les nouveaux locaux qui sont vraiment dans, dans le quartier L'extension. je pense que la collaboration va juste euh, augmenter là, euh, de plus en plus. Euh, mais euh, comme je disais, pour l'instant, à cause de la pandémie, ça a été un peu euh, on a un petit peu fait les choses un peu chacun de notre côté, mais le but de ce centre-là, c'est vraiment de faire des projets euh, inter-facultés euh, pour favoriser la réussite des enfants. Là. Donc, Parfait. Euh, Excellent, super. Ça me fait sauter à Carole euh, à pied joint. Euh, milieu scolaire, il y a 30 ans quand tu débutes ta pratique ou plus même. Euh, tu cognes à la porte des écoles comme optométriste. Est-ce qu'on est bienvenu comme optométriste dans le milieu scolaire? Est-ce qu'on doit se faire connaître? Quelle reconnaissance l'optométrie peut avoir? Comment on s'intègre dans ce milieu-là? Et encore une fois, quel langage on parle pour, pour finir par collaborer avec ces professionnels-là? Euh, dans mon cas, je dirais que ça s'est fait euh, facilement et assez naturellement. Euh, première des choses, j'étais à l'association des optométristes responsable du dossier Information-Communication. Euh, il n'y avait pas de l'école de, de la vue qui faisait des dépistages dans les écoles, mais il y avait des infirmières qui faisaient des dépistages dans les écoles. Et on avait monté un, un cours de formation pour expliquer les tests qui se faisaient dans le dépistage, puis qu'est-ce qu'on allait chercher. On, a, on avait déjà monté l'histoire de cas avec les signes et symptômes qu'il fallait, euh, qu fallait finalement remarquer euh, pendant, pendant les examens ou pendant la classe scolaire. Donc, euh, cette information-là, à un moment donné, s'en va à un enseignant qui. Ils sont deux, trois qui commencent à poser des questions puis qui téléphonent pour avoir plus d'informations. Comme je faisais déjà dans l'éducation visuelle, j'ai toujours envoyé des rapports de suivi aux personnes intéressées, donc aux parents, puis je leur demandais de communiquer l'information aux enseignants ou aux orthopédagogues quand c'était le cas. Et ça, ça a évidemment sollicité beaucoup de demandes d'informations, demandes de rencontres. Et oui, on est bienvenu parce que... Euh, parce qu'à un moment donné, les intervenants tournent en rond. Euh, les ergothérapeutes sont capables de travailler avec des dyspraxies, mais à un moment donné, il y a un problème oculomotor, ils sont bloqués, il un problème de fusion, ils sont bloqués, ils sont obligés de faire appel à nous. Euh, les neuropsychologues font énormément de dépistages, font énormément d'examens complets, font, à part, font beaucoup de recommandations, mais pas tant d'interventions dans la pratique. Donc, pour eux, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui s'intéresse de façon globale à l'enfant, à sa fonction visuel et à la perception visuelle, puis qui est capable d'intervenir à ce domaine-là. Mais ça demande beaucoup d'auto-formation, je dois le dire. Euh, au Québec, il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans encore. Il faut aller se former malheureusement beaucoup aux États-Unis. Ça demande beaucoup de lecture personnelle, beaucoup d'investissement personnel. Le communautaire demande de, du temps, mais tout ce qui est rééducation visuelle demande aussi beaucoup de temps d'investissement personnel. C'est là qu'on voit la passion qui t'anime, puis la passion qui fait qu'on trouve le temps d'y aller. Euh, passion qui m'amène à Mathieu, tu as parlé de ton expérience dans les régions éloignées, Grand Nord, euh, population des Premières Nations. Encore une fois, euh, comment on se prépare, comment on intervient avec les intervenants? J'imagine que là, il y a l'aspect culturel, évidemment. On, on voit tout le débat là, avec... Euh, euh, le rapport euh, de, de la Corona qui est sorti cette semaine, là, qui parlait d'attitude dans le système de santé qui n'est pas nécessairement respectueuse des Premières Nations. Alors, comment on y arrive, j'imagine, sur la pointe des pieds, avec un peu d'humilité, puis comment tu t'es organisé pour, euh, pour faire ce genre d'intervention-là, Mathieu? Oui, ben c'est vrai que c'est le racisme systémique, le, tout, tous les préjugés qu'on peut avoir comme professionnel de la santé. C'est euh, important d'en être conscient avant d'arriver là-bas. Euh, nous, comme optométristes, on n'a on, pas le, la pire position dans le sens qu'on a un travail quand même technique, puis les gens, euh, c'est au niveau de l'examen, je n'ai pas l'impression qu'on on a vraiment euh, qu'il y a place à des préjugés euh, dans nos interprétations. Euh, ce qui est très important en, dans les communautés plus isolées, d'après moi, c'est d'avoir un bon système de collaboration interprofessionnelle, parce que euh, ultimement, le but de ce système là, c'est de donner les meilleurs soins aux patients. mais il faut aussi se dire que euh, on peut optimiser notre utilisation des ressources publiques. en région, iso en région isolée, euh, je pense particulièrement euh, à, aux références qu'on fait. À chaque fois qu'on fait une référence en hôpital, dans le fond, il faut se dire que le patient devra peut-être prendre l'avion, devra sûrement prendre l'avion pour s'y rendre. Alors déjà, ça, en temps de COVID, ça peut être inconvénient pour le patient de devoir se rendre en avion, de devoir se rendre en ville. Euh, deuxièmement, c'est des sous du système public quand même qui sont investis. Donc, euh, quand on a un système de collaboration qui nous permet de communiquer facilement, rapidement avec l'ophtalmologiste ou avec euh, l'infirmière. Euh, ça nous permet de, euh, de décider de la prise en charge, puis peut-être d'éviter des voyages inutiles pour le patient. Euh, au Nunavik, il y a, y a un système de collaboration qui a été mis en place il y a, je pense, un an ou deux euh, par l'ophtalmologiste responsable de la région, par le docteur Toussignan aussi. Et ce système-là est très efficace dans le sens qu'il nous dit, bien, si vous avez telle situation, vous référez le patient à Couchouac. Par contre, si vous avez telle autre situation, envoyez-le directement à Montréal. Il n'y a pas besoin de passer par Couchouac. Puis on va s'assurer que quand il est à Montréal, on fait le plus de tests. On ne va pas perdre son temps. Puis on ne va pas le faire venir cinq fois si on peut le voir en deux fois à Montréal. Donc, il y a vraiment une optimisation des soins. Et c'est le patient qui bénéficie de tout ça. Euh, quand on est en, au Nunavik, par exemple, on nous installe souvent dans le centre de santé. Donc, encore là, on travaille, le centre de santé, c'est comme un, un CLSC un peu. Euh, on travaille vraiment en proximité avec les infirmières. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup de pouvoir travailler en équipe pour le bien-être du patient. Excellent. Euh, je pense que le message est, est très clair de ce côté-là. La, la multidisciplinarité, le, le travail communautaire et avec les autres professionnels, ça va être la réalité. C'est déjà la réalité, mais ça va être de plus en plus la réalité de l'optométrie de demain. Alors, je pense qu'il faut s'y préparer. Et sont, ce sont des bons exemples. Euh, ce qui m'amène au troisième thème, là. Euh, sur l'organisation d'activités particulières en clinique. Euh, Marie-Lou, tu as effectué des dépistages au sein d'organismes comme les Olympiques spéciaux du Québec. Alors, comment est-ce que l'organisation de ce genre de journée-là se fait? Est-ce que toi, tu décides un matin de dire, tiens, je vais aller examiner les, les Olympiens euh, euh, spéciaux au Québec ou on est approché ou euh, un optométriste qui nous écoute ou un étudiant d'optométrie qui voudrait un jour euh, faire ce genre d'activité-là? Comment on s'implique? Comment on… Comment ça arrive là, dans la vie? Oui, bien, en fait, pour les Olympiques spéciaux, euh, une de nos cliniciennes à l'école euh, euh, s'occupait, euh, bon, était partenaire avec les, les Olympiques spéciaux et s'occupait du côté, euh, euh, tout ce qui était lunettes, tout ça. Et, euh, en fait, elle a fait un appel à tous pour qu'on aille euh, faire du bénévolat euh, aux Olympiques spéciaux de Valleyfield, qui était, je pense, que ça fait peut-être un, deux ou trois ans. Mathieu, d'ailleurs, était là co comme étudiant. C'était porté volontaire. Puis euh, là-bas, j'ai rencontré la personne, euh, Tristan Delmas, qui était, euh, je, je pense qu'il est encore là, qui était en charge là, un peu de tout ce qui est euh, d'organisation au niveau des Olympiques spéciaux. Puis en se parlant, tout de suite, on a décidé d'organiser, euh, il était déjà venu à l'école d'optométrie, mais on a décidé d'organiser une activité un petit peu plus euh, étoffée ou plus grosse là, pour justement euh, familiariser nos étudiants. Euh, à interagir avec les personnes, là, justement, à besoin particulier. Euh, dans ce cas-là, c'était des, des adolescents, puis des jeunes adultes avec déficience intellectuelle. Donc, l'activité qu'on a organisée, puis ça se fait toujours un petit peu comme ça euh, avec les Olympiques spéciaux. Il y a une portion d'épistage qu'on fait avec... Euh, euh, les jeunes là, qui, euh, qui viennent à l'événement. Euh, donc, euh, ils ont aussi des lunettes fournies par un commanditaire, etc. Et l'autre portion de l'activité, c'est juste de faire une activité sportive avec eux. Donc, vraiment pour interagir pour que justement nos élèves, nos élèves, nos étudiants soient, soient plus à l'aise après ça, à, à, quand ils, ils ont une, ce genre de patient en clinique, soient plus à l'aise à interagir avec eux. Euh, je pense que ça a été une belle activité. Euh, des petits points à peaufiner là, pour le futur. Euh, mais euh, je pense qu'en en, en général, les étudiants ont bien aimé. Puis euh, euh, ça nous donne peut-être euh, un meilleur aperçu. Euh, des fois, on, on est un peu craintif à aller examiner ces patients-là, mais c'est des gens super attachants. Euh, puis euh, en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment gratifiant de, de faire l'examen de ces patients-là. Et euh, il faut essayer là, de bloquer ces barrières-là, des fois que les gens ont là, euh, à être craintifs là, euh, à faire les examens de ces patients-là. Donc, j'espère qu'avec des, des activités comme ça, euh, on réussit un peu à briser ces, ba ces barrières-là. Donc, euh, Donc voilà, à part... gros... à... excellent. À partir d'un événement ponctuel, ouais. <laughs> on amène un bagage dans notre pratique qui nous sert dans la vie de tous les jours. Carole, qu'est-ce que tu as appris au Mali? que tu as pu appliquer dans ta pratique? Hmm. Grande question. Euh, première des choses, euh, je dirais que j'ai pris, euh, j'ai comme réalisé à nouveau l'importance de l'optométrie de première ligne, l'acte de base de la réfraction et euh, de la prescription de lunettes. C'est presque banalisé dans notre pratique de tous les jours. On est orienté vers toutes sortes de choses. Puis quand on travaille avec effectivement des populations démunies ou qui n'ont pas de service d'optométrie, on se rend compte comment ça devient hyper important euh, de, de poser ces gestes-là, cet acte-là finalement. L'autre chose, je dirais, euh, c'est quand on fait une intervention, euh, quelle qu'elle soit, c'est important de, de s'assurer que ça répond aux besoin que le besoin a été identifié et que ce besoin vient de l'autre finalement. Puis quand on essaie de remplir ce besoin-là, c'est important de le faire avec respect de la culture ou de la tradition ou de la volonté comme telle. Euh, Bon, je pense au Mali, par exemple, où euh, j'avais organisé un, un, projet, euh, un projet de formation de dépistage pour les agents de santé qui y a dans tous les petits villages répartis. Regarde au Mali, il y a un optométrie, une poignée d'ophtalmo, mais il y a des agents de santé répartis dans tous les petits villages. Donc, on s'est dit on va aller former les agents de santé pour faire des dépistages visuels auprès des enfants scolaires. Puis quand les enfants vont, vont être dépistés positifs, on les amène à l'école d'optométrie à Bamako, puis nos étudiants de troisième année vont être capables de pratiquer leur examen, puis de faire les examens. Parfait. Sauf que l'organisation avec laquelle j'ai travaillé, on a oublié, ou le projet s'est fait rapidement, puis on a oublié d'aller chercher le consensus finalement communautaire, de sorte que au moment où les enfants devaient venir à l'école d'optométrie, il y a eu un blocus, les parents ne voulaient pas laisser partir les enfants en autobus, les éducateurs ne voulaient pas laisser partir les enfants, et finalement, ils les ont laissé partir la dernière journée que je suis partie ou que je partais parce qu'ils voulaient absolument qu'on fasse les examens. Tout ça pour dire que euh, sans le consensus de la personne à qui on veut donner des soins, bien, ça ne fonctionnera pas. Moi, je l'ai appris en rééducation visuelle, puis ça m'a rappelé ça que... Bien souvent, je pense que le meilleur choix pour le patient serait de faire ce traitement de rééducation visuelle-là, mais le parent n'est pas prêt à s'investir ou l'enfant ne veut pas s'investir. Alors, il ne faut pas forcer la note, il faut quand même respecter toujours le, le, le consensus. Être prêt à faire des plans B, des plans C, des plans D. Ouais. Euh, Mathieu, dans les populations vulnérables que tu as côtoyées, soit en clinique mobile, soit sur la base côte nord, j'imagine que tu as eu des plans B, des plans Z, aussi peut-être <laughs> en bout de ligne, euh, respect des, pour reprendre les mots de Carole, les respects de la culture, les respects des besoins. Quels sont les besoins visuels des gens qui vivent dans la rue? Il y a beaucoup de besoins réfractifs. On en voit beaucoup. Euh, les besoins visuels... Euh, on serait étonné quand même parce qu'on se dit Ah, les personnes qui vivent dans la rue n'ont euh, pas de cellulaire, font pas d'ordinateur, ne lisent pas. Ce pas le cas. Ce pas le cas. Les, les gens dans la rue, il euh, y en a qui étaient professeurs à l'université puis qui se retrouvent dans la rue. Il y en a de tous les milieux. Euh, donc, on, on, je ne pourrais pas généraliser puis dire. Euh, il, il lui est dans la rue, il n'y a pas besoin d'avoir une bonne vision d'ordinateur, euh, etc. C'est vraiment comme n'importe quel patient. Euh, puis, euh, mais mais de, de ce que je vois, oui, il y a beaucoup besoin, de besoins réfractifs. Euh, c'est sûr que vu que c'est des personnes qui ont moins accès peut-être aux soins, euh, on voit aussi euh, plus de, de maladies qui sont non dépistées ou dépistées pas assez tôt. Okay. Puis l'approche, euh, on, on parlait aux Olympiques d'aller jouer avec les enfants pour se faire accepter d'eux pour pouvoir les examiner après. Les gens dans la rue, est-ce qu'on doit leur... Évidemment, il faut prendre le temps de leur parler un peu, j'imagine, mais on ne peut pas faire ça en 20 minutes ou en 30 minutes comme nos patients normaux qui viennent dans nos cliniques. C'est quoi l'organisation de la journée d'une clinique mobile? Là. Vous prenez combien de temps pour voir combien de patients? Puis c'est quoi le dialogue? C'est quoi le, le temps justement d'apprivoiser? On parlait de consensus, on parlait de communauté. C'est un peu la même chose ici. Est-ce que vous débarquez à la à maison du père et Ah, tiens, on vient vous examiner ce matin Oui, mais les, les cliniques sont prévues, c'est avec la clinique Regard Collectif de l'Université de Montréal. Donc, on fait vraiment comme à la clinique de l'université. On fait des examens d'une heure trente qui sont faits par les étudiants supervisés par un clinicien. Euh, en même temps, ça donne bien que euh, les examens soient plus longs parce que c'est vrai que de, de ce que j'ai remarqué, en tout cas dans les populations itinérantes, on a peut-être plus de personnes qui ont une certaine anxiété ou une certaine appréhension ou, ou euh, qui peuvent avoir une réticence à, à, se faire, à se faire toucher les yeux, tout ça. Donc, le fait qu'on ait plus de temps, qu'on ait une heure et demie pour faire l'examen, ça permet vraiment de prendre le temps de rassurer le patient, euh, de lui expliquer. Puis ça, c'est quelque chose que les étudiants font beaucoup aussi, souvent plus que nous, les professionnels, une fois qu'on gradue, les étudiants euh, prennent le temps d'expliquer, puis de, de dire ce qu'ils vont faire avant de le faire. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est apprécié par les patients. Super. Euh, je vois que le temps file, on va passer maintenant euh, à la période de questions, mais si, euh, si, si je me permets, je pourrais résumer tout ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. Ben, J'ai parlé de la passion, de l'optométrie, je pense qu'elle s'exprime haut et fort ici, mais justement de, de prendre le temps, la personnalisation, respecter l'autre, aller vers l'autre, apprendre à, à parler le langage de l'autre. S'ouvrir à des nouveaux horizons, ouvrir des portes qu'on n'était peut-être pas prêtes à ouvrir, vaincre ses appréhensions, comme disait Marie-Lou, euh, vaincre nos propres craintes, euh, ne pas penser qu'on a entièrement la, la vérité, comme disait Carole, qui a peut-être aussi une, une équipe qu'on fait avec le patient. C'est ça que je retiens aujourd'hui, puis c'est ça l'optométrie, au fond, c'est ce que ça nous permet de faire, mais on l'oublie effectivement. Hein. Dans notre routine de tous les jours, on oublie ces, ces choses-là. Je vous demande peut-être. Un ou deux mots pour un peu résumer ce qu'on ce que, ce que, ce qu a entendu jusqu'à maintenant, puis pour ce qui nous amènera aux questions. Carole, on commence avec toi. On parle de l'humanitaire, on parle des besoins ici au Québec qui sont importants. Moi, j'aimerais souligner qu'il faut quand même continuer à faire du renforcement de compétences à l'international, ne serait-ce que par par les Zooms maintenant, pour que leur humanitaire puisse le faire d'eux-mêmes localement. C'est bon. Marie-Lou? Euh, oui, ben moi, je pense que le message, c'est euh, j'espère que nos, nos futurs gradués vont euh, justement peut-être se faire confiance, examiner les patients qui ne sont peut-être pas aussi faciles à, à première vue, soit les jeunes enfants, les patients avec besoins particuliers, et... Euh, aussi, euh, moi, j'espère que l'extension va, va fleurir dans les prochaines années et qu'on aura euh, des beaux projets, peut-être, euh, ou des, des beaux résultats à vous présenter là, euh, bientôt en partenariat avec nos, nos autres facultés aussi. Là, donc, euh, bon. à Ma venir. <laughs> Mathieu, ton, ton, ton résumé en quelques mots? Mon résumé, ça serait euh, que j'encourage tous les optométristes à rester ouverts face à, à toutes les opportunités qui se présentent en communautaire. Puis ça ne prend pas nécessairement une clinique mobile. Ça peut être en acceptant un patient qui est euh, demandeur d'asile. Il euh, y a des choses qu'on peut faire en clinique privée aussi euh, pour faire du communautaire. Bien, excellent, c'est un beau message, effectivement. Alors, tant des questions. Euh, Karine, est-ce qu'on a des questions pour nos invités oui, euh, on a des questions du public. Euh, en fait, ma première question s'adresse à Mathieu. Euh, J'ai une personne qui me demande concernant les patients avec problèmes cognitifs avancés, avec cataractes, savez-vous si les chirurgies se déroulent bien? Doivent-ils être endormis? Euh, C'est une possibilité que ça soit fait sous anesthésie générale. Euh, si, si euh, disons, qu'on a. C'est sûr que. L'anesthésie générale est quand même faite avec une réserve parce que ça peut empirer la situation cognitive du patient. Euh, mais euh, c'est une possibilité, euh, ça a été confirmé par des chirurgiens. Je, je vous dirais qu'en ce moment, l'impression que j'ai eue en, en faisant un petit peu de recherche sur ça, c'est que euh, le chirurgien se garde une bonne réserve avant d'opérer un, un patient. Euh, la famille se garde une réserve. Tout le monde se garde un peu une réserve. Puis le patient... Euh, va pas nécessairement pouvoir dire oui je veux euh, oui j'ai besoin de ça alors c'est un peu euh, c'est un peu difficile comme situation euh, mais j'espère et j'espère qu'on va réussir à montrer éventuellement avec de la recherche que, que ça a un effet positif personnellement j'en suis convaincu est-ce que les panélistes ou même docteur michaud est-ce que vous avez des choses aussi à ajouter par rapport à cette question non, moi, je pense que c'était très complet. Là, la réponse de Mathieu est très claire. Mm -hmm. Parfait. Donc, je vais sauter à la, à la prochaine question du public. Euh, C'est une question pour Marie-Lou. En fait, ça provient mm -hmm. de la communauté euh, étudiante. Euh, en fait, on, on, on a demandé comment fait-on en tant qu'étudiant pour s'impliquer à l'extension? Oui, bien, en fait, euh, les étudiants vont aller à l'extension faire des examens euh, très bientôt. Donc, euh, euh, je vous dirais probablement euh, dans le prochain mois, on va commencer à pouvoir aller faire des, des examens directement à l'extension. Donc, on a deux salles d'examen là-bas. Euh, on commence à avoir des références d'enseignants de, et probablement via l'école de la vue aussi, on va recevoir des patients là, qui, ont, qui ont été dépistés par, euh, par l'école de la vue. Euh, donc, euh, vous allez être impliqués de cette façon-là. Euh, avec l'école de la vue, on va un petit peu moins faire de dépistage directement dans l'école. Donc, on essaie de s'arranger un peu plus avec les enseignants pour euh, dépister des problèmes. Mais ça se peut qu'on retourne aussi là, pour euh, dépister des classes. Euh, euh, l'école de la vue, c'est les 4-5 ans, mais euh, il y a d'autres problèmes qui surviennent plus tard et aussi dans les écoles avec qui on fait affaire. Il y a beaucoup de, de nouveaux arrivants. Donc, ils peuvent arriver en deuxième, en troisième, en sixième année. Puis ces enfants-là vont avoir besoin aussi d'être vus. Donc, il est possible qu'on retourne faire des dépistages aussi, là, euh, euh, dépendamment de nos, de nos ressources et tout ça. Donc, euh, si c'est le cas et que j'ai besoin de volontaires, bien, je saurais ou, euh, euh, ou, ou où cogner à la porte. Ça. <laughs> bon. euh, je, je compléterai là, en termes d'école, puis là, je mets mon chapeau d'école, qu'on est en train de développer aussi euh, une autre clinique euh, dans un CLSC Nouvelle Génération à Montréal-Nord dans une région enclavée où les gens euh, consultent peu à l'extérieur de leur environnement, mais ça va avoir une approche très communautaire, là, la clinique, qu'on va avoir là-bas. Euh, on a également deux salles d'examen de prévues à l'intérieur du CLSEC, médecine dentale, un GMF des intervenants communautaires. Euh, et là, on s'attend à une population qui a beaucoup de maladies systémiques comme le diabète, évidemment. On parle d'une communauté euh, en grande partie haïtienne. Donc, euh, euh, on, peut, on peut suspecter là, certaines hypertensions le diabète là, qui, qui, qui est assez présent. Donc, il y aura ça. On travaille encore à plus. Ça, ça devrait ouvrir 2025. Euh, on est dans les plans, puis on est dans les réalisations. Le ministère a donné de l'argent. Donc, oui, ça va se réaliser. Euh, à long terme, je travaille avec quatre autres doyens à développer un grand projet euh, qui est le pôle enfant, qui euh, va être une clinique d'intervention en difficulté d'apprentissage euh, qui serait située au pavillon à Laval. Euh, C'est le projet. Là. Alors, on va le discuter dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, puis on va essayer d'intervenir là-bas. De faire un projet structurant où là, on réunit tous les professionnels, pas juste l'extension euh, de trois qui va migrer à d'autres. Euh, mais là, on va déjà amener tout le monde et on va intervenir euh, auprès des enfants. La technique de neuropoucée est déjà là-bas. Alors, euh, je pense que ça va valoir la peine de le faire et, et d'y aller comme tel. Merci beaucoup pour vos réponses. Puis je trouve que c'est un beau projet là, qui s'en vient. Là. Donc, euh, je suis content que vous l'avez partagé. Donc, il faut rester à l'affût. Oui, puis on va avoir besoin de, de dons et de, de philanthropes là, pour nous aider à le réaliser. Oui, donc on mobilise toute la communauté. C est, c est, euh, donc vous allez nous, nous tenir au courant euh, des prochains développements pour qu'on puisse Bien mobiliser sûr. tout le monde. Bien sûr. Euh, avant de me tourner vers la question d'Alexane Harvey, je vois que quelqu'un, euh, que justement Alexane a, a monté, euh, a levé la main, pardon. Je vais juste terminer avec une dernière question qui est destinée à, à Carole. Je trouve vraiment touchant ce, cette, cette question-là, en fait, parce que c'est euh, un, un de vos anciens étudiants, Jonathan Simon, euh, <laughs> qui est maintenant étudiant à l'École d'optométrie de l'Université d'État d'Haïti. Yeah. Et euh, il se demande justement comment les diplômés de l'école d'optométrie de l'Université de Montréal pourraient aider ou orienter les étudiants en optométrie haïtien dans leur formation. Je pense que euh, je pense que docteur Michaud travaille très activement en ce moment avec Luigi Bilotto pour justement développer cette collaboration inter-université entre Haïti et Montréal et aussi entre le Mali et Montréal. Je pense qu'il y a un projet dans l'ère de, de maîtrise et je crois que c'est comme ça que ça va se faire effectivement. Il peut se faire du mentorat justement avec les, les, les gradués ou les futurs gradués de l'école d'optométrie et les étudiants d'Haïti. Il manque encore beaucoup de ressources en Haïti. Alors je pense que le mentorat est la forme la plus la plus valable dans ces circonstances-là? Oui, euh, je complète, euh, je confirme qu'on travaille là-dessus euh, très activement. Il y avait un consortium euh, dont l'Université de Montréal, dont l'école faisait partie, qui s'occupait euh, du partenariat avec l'Université d'État d'Haïti, mais qui, dans les dernières années, et notamment à cause de la COVID, a euh, plus ou moins euh, rempli son mandat. Euh, pour toutes sortes de raisons, euh, la gouvernance change et euh, l'Université de Montréal a été désignée comme maintenant le leader de ce consortium-là. Et ce n'est pas juste l'école d'optométrie cette fois-là. On amène avec nous euh, le département d'ophtalmologie parce que l'école d'optométrie est hébergée par l'ophtalmologie euh, dans le département de médecine d'ophtalmologie en Haïti. Donc, il y aura également aussi de l'enseignement conjoint qui va se faire à la fois. En ophtalmologie avec aussi des étudiants d'optométrie, et on amène l'école de santé publique avec Dr Marie-Josée Aubin qui va s'occuper aussi de nous aider là-dedans, et l'unité de santé internationale de l'Université de Montréal qui va, qui a déjà elle des équipes sur le terrain en Haïti parce que la difficulté c'est d'aller sur le terrain puis avec des enjeux politiques, de sécurité, ça peut être plus difficile pour nous de l'extérieur d'y aller. Mais surtout des gens qui connaissent, on parlait de la culture, des gens qui connaissent la culture et qui connaissent cette chose-là. Donc, dans les semaines et dans les mois qui viennent, on, vous allez voir euh, des annonces arriver et euh, on est en train de signer les derniers papiers, mais l'Université de Montréal va prendre en charge euh, l'aide pour ce programme-là et le but, c'est vraiment... Euh, de faire euh, que le programme soit un programme à succès et qu'il qu y ait des optométristes sur le terrain d'Haïti le plus rapidement possible. Avec le Mali, on vient de signer une entente aussi pour développer un programme de Master 2, là, qui, est, euh, qui est un programme de maîtrise de type français, mais qui va permettre aux étudiants d'optométrie d'aller au niveau supérieur et de se spécialiser encore un peu plus. Donc, on, on va aussi là, euh, travailler avec eux très activement sur le curriculum, la livraison. On est en train d'installer une salle. En fait, on a un projet de, de salle immersive qu'on appelle qui va nous permettre de donner des cours à distance en même temps qu'on les donne à nos étudiants en présence ici. Donc, quelqu'un en Haïti pourrait très bien se... Se loguer comme ce soir via Zoom ou via la technologie qu'on développera et assister au même cours que nos étudiants assistent. Euh, et donc, euh, avoir la même formation sans qu'on ait à se déplacer. Mais évidemment, on aura des gens éventuellement pour le côté pratique et on va s'assurer que les gens sur place, comme tu le disais, le but, ce n'est pas qu'on soit là à long terme, c'est qu'on soit là suffisamment longtemps pour que des professionnels de leur pays prennent en, prennent en charge le programme éventuellement. On sera toujours là en assistance. Mais euh, éventuellement, le, le projet s'est vraiment développé à long terme par Optometry Given Site, que c'est financé le projet en Haïti. Euh, donc, euh, il y a une journée, le World Site Day, euh, qui est le 14 octobre. Donc, euh, allez sur Optometry Given Site euh, et voyez les détails là, de comment vous pouvez aider, euh, entre autres pour le programme d'Haïti, euh, Optometry Given Site à amassé des fonds qui vont nous permettre d'avoir quelque chose de pérennial de ce côté-là. J'aimerais juste rajouter un petit mot justement avec Optométrie Given Sight. Euh, ils ont collaboré avec le Lions Club de Bamako pour permettre à un, un gradué de la première promotion de, de l'école du Mali de venir faire sa maîtrise clinique à l'école d'optométrie de l'Université de Montréal en 2018. Sakoulibaly est venu passer 15 mois ici pour faire sa maîtrise clinique. Donc, c'est ça l'intérêt, c'est de finalement renforcer leur capacité pour qu'ils deviennent autonomes par la suite. Donc, c'est pas vos dons font des vraies oui. choses. Exactement. Donc, Karine, je retourne le micro. Oui, merci. Euh, ben, merci pour vos réponses, euh, tous les deux. Euh, je vais laisser maintenant la parole à Alexane qui a une question. Oui, bonjour. Euh, ben, premièrement, merci pour vos partages. C'est vraiment intéressant. Euh, je voulais revenir sur les collaborations interpersonnelles. Pendant la pandémie, j'ai eu deux travailleurs sociaux qui m'ont contacté par hasard dans mes cliniques privées euh, normales. Pour des patients qui avaient des besoins particuliers, justement. Est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler avec les travailleurs sociaux? J'ai l'impression que ça pourrait être une piste intéressante pour rejoindre certaines populations plus difficiles à rejoindre. Ah, Peut-être Mario peut ou euh, Carole? Euh, ou, euh, je ne sais pas, Carole, de ton côté. Mathieu. À l'école, je n'ai pas nécessairement eu de référence de travailleurs sociaux comme tel. Il y a souvent des ergothérapeutes, des. Euh, orthopédagogue, des choses comme ça, mais je sais pas de ton côté, Carole, si au niveau des travailleurs sociaux, travailleurs euh, sociaux dans peut le, peut les seuls, que, ouais, les seuls que j'ai eu c'était des enfants de la DPJ ou les enfants qui étaient euh, en milieu euh, en, en maison de, de refuge finalement qui avaient besoin de soins, mais non, j'ai pas eu tellement de de contact avec travailleurs sociaux. -ce Mathieu, que Mathieu? On, ben dans les dans les ressources pour euh, personnes itinérantes. C'est soit des travailleurs sociaux ou des, ou les intervenants. Souvent, on, on travaille avec eux. Puis euh, effectivement, je trouve que c'est vraiment des ressources euh, euh, avec qui on pourrait collaborer aussi dans des cliniques conventionnelles euh, pour des patients qui ont, qui ont des besoins particuliers. Euh, il y a aussi à l'Institut Nazareth et Louis-Braille, où on, là, on est vraiment toute une équipe dont les travailleurs sociaux. Euh, je suis absolument pour le, cette collaboration. C'est vraiment pertinent dans ce que je vois. Mm -hmm. sur ah, merci. La, sur la clinique mobile, je vois qu'il y a une question dans le chat. Est-ce qu'on peut participer oui. comme optométriste à, à la clinique mobile sans avoir un programme particulier ou est-ce qu'il y a des cours auxquels on peut s'inscrire euh, sans faire de la résidence au complet? Est-ce que tu es au courant, Mathieu? Euh, il, y a, il y a un cours que Dr. Tousignan donne pour les résidents, mais. Euh, ben justement, Alexane s'était inscrite euh, en même temps que moi. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis, euh, je, si, euh, il peut, vous pouvez vous inscrire comme étudiant libre. Euh, je ne connais pas le sigle du cours par cœur, mais euh, on pourrait vous en informer. Euh, si C'est qui qui a posé la question? Je pourrais le prendre en note. Puis, oui, euh, euh... Euh, euh, Viviane Yell. Parfait. On pourra se communiquer, puis je pourrais vous transmettre le, le sigle du cours si c'est quelque chose qui vous intéresse. Pour la clinique mobile, en ce moment, c'est juste les optométristes qui font la résidence à, à l'école qui, qui peuvent y travailler. Pour des questions plus de logistique, je dirais il y a beaucoup de petites choses à savoir comment, comment monter le visiomètre portatif, comment, euh, on, la, comment on collabore avec les autres intervenants, mais euh, peut-être qu'éventuellement, il y aurait d'autres organismes qui développeraient des cliniques semblables. Je, je l'espère. Parce que le reste du Québec en a aussi besoin. J'aurais une dernière question euh, en fait, à vous poser euh, de, de mon côté. Euh, Quels conseils voudriez-vous partager à tous ceux et celles qui voudraient se lancer? Se faire confiance. Carole? Se faire confiance, oser. Euh... Euh, mettre ses parts de côté, euh, couper les barrières, comme disait Marie-Lou, essayer de ne pas voir ces, ces barrières-là, euh, devenir un peu téméraire finalement, puis foncer généralement, c'est très gratifiant c'est très enrichissant. J'allais dans le même sens que, que Carole, j'allais dire aussi se faire confiance. Oui, c'est sûr, euh, bon. Euh, justement, Mathieu a fait une résidence, tout ça. Des fois, on se dit Ah, oh, je n'ai pas fait de résidence, euh, je n'ai pas les, les ressources pour, ou euh, les connaissances pour voir ce genre de patient-là. Mais non, Carole n'a pas fait de, de résidence, il n'y en avait pas euh, dans ce temps-là. Donc, il y a possibilité par soi-même de développer justement des côtés de la profession. Si vous avez la passion pour ça, je pense que euh, tout est possible. Pour tout le monde. C'est sûr que ça facilite peut-être d'y aller via la résidence parce que on a plus de, disons, euh, euh, rapidement, d'expérience qui, qui est gagnée. Sauf que je pense que n'importe qui dans vos pratiques, euh, s'il y a un domaine qui vous intéresse, euh, allez-y, foncez. Donc, euh, voilà. <laughs> Moi, j'ajouterais un, un mot d'encouragement pour les, les nouveaux euh, optométristes qui travailleraient en communautaire. Parfois, on peut avoir un sentiment d'impuissance, euh, mais euh, la phrase de Michel Rivard, si je ne me trompe pas, c'est ⁇ Le mieux que je peux faire, c'est de faire de mon mieux. Mmh. C'est très inspirant. Mais merci. Je crois que c'est Michel Rivard. Michel Rivard, il faut regarder ça sur Google après. Ouais, euh... il <laughs> mais je trouve ça très inspirant. Euh, J'invite vraiment à tous les étudiants, toute la communauté à, à se... À se lancer, à ne pas hésiter. Docteur Michaud, est-ce que vous voulez con conclure euh, avant? Avec... Ah, écoute, écoute, moi je pense que ça a été super inspirant. On a trois personnes euh, et on voit que la passion de l'optométrie passe les générations. Heureusement, le flambeau est tenu bien haut hein, et bien fort. Alors on va prendre le même logo que le Canadien, le même slogan que le Canadien, là, puis on va le mettre, je ne sais pas si on a un vestiaire commun ici, là, mais on va le mettre là certainement, le, 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 le flambeau est, est passé, mais, mais derrière ça, c'est de sortir de sa zone de confort, puis on a des beaux exemples qui, que, que, que c'est important de le faire, puis que c'est valorisant, et surtout que ça aide les gens, ça aide des gens de, de partout. La misère, comme je le disais, n'a pas de frontières et elle peut être à côté de la porte chez nous, alors qu'on soit là, -Jean, à Lac-Saint-Jean, à à... En Côte-Nord, Gaspésie, peu importe, ou même au centre-ville à Montréal, il y a des gens qui ont besoin de nous. Et des yeux, c'est des yeux. On est formés pour les examiner. Alors, euh, le reste, c'est une question de contexte, une question de barrière, effectivement. Et euh, à partir de notre base, qui est celle d'aider la vision des gens, le monde nous appartient. Je trouve que c'est une belle conclusion, Docteur Michaud. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos bons mots. Je te laisse conclure, Karine. Super! Donc, euh, mon Dieu, je trouve que ça passe vite. Hein? On aurait pu en parler encore pour une bonne demi-heure, mais euh, avant de partager mes remerciements, je veux juste euh, mentionner que vous verrez à l'instant dans le chat un lien qui va vous mener vers le sondage de satisfaction. Donc, votre opinion est importante pour nous et vos réponses vont nous permettre aussi euh, de savoir ce qui vous intéresse, les thèmes aussi qui vous tiennent à cœur et euh, pour que nous puissions aussi par la suite offrir d'autres activités qui vont répondre à vos besoins. Euh, vous voyez justement euh, en ce moment, il y a un petit, un petit slideshow. Euh, ce sont en fond nos, nos prochaines activités, euh, dont la première série Balado, ça a changé ma vie. Ce sont des histoires de diplômés qui nous racontent comment les liens qu'ils ont créés au sein de l'université ont été déterminants dans leur vie personnelle et aussi dans leur vie professionnelle. Euh, vous pouvez retrouver ces belles histoires sur différentes plateformes de diffusion de balado, telles que Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Euh, aussi, si vous avez aimé l'événement virtuel de ce soir, euh, le prochain événement du réseau sera sur la crise d'épilepsie pour mieux comprendre, prévenir et, ré et réagir qui est prévu le 13 octobre prochain. Donc, euh, avant de vous quitter, j'aimerais d'abord euh, dire un, un grand merci, un chaleureux merci à mes, euh, mes invités. Merci d'avoir accepté l'invitation et euh, d'avoir partagé votre expérience. Et j'espère que vous avez eu autant de plaisir à participer à l'événement que nous, on a eu aussi à organiser euh, toutes les étapes de l'événement de ce soir. Euh, merci aussi à Dr. Michaud, euh, directeur de l'école d'autométrie pour son soutien et pour avoir accepté aussi d'animer avec brio, je dirais. Vous avez été extraordinaire, je trouve, d'avoir animé ce soir. Donc, euh, si vous souhaitez euh, une, une deuxième carrière à vos multiples tâches, je, je dirais, lancez-vous à l'animation. Vous avez très bien fait ça. Donc, merci beaucoup pour votre générosité, docteur Michaud. Je voudrais aussi dire merci à Mathieu Dobchy, qui est conseiller en communication de l'école d'optométrie. Euh, il nous a aidé ce soir euh, à, à vous envoyer toute l'information euh, concernant l'événement dans le chat. Il a aussi permis aussi euh, à promouvoir l'événement. Euh, donc merci beaucoup Mathieu pour ton aide. Et euh, le dernier et non le moindre, j'aimerais dire un merci à Justin Trottier du groupe de couverture d'événements de l'Université de Montréal. Merci beaucoup d'avoir couvert les aspects techniques de ce soir. Euh, donc, c'est grâce à toi qu'on a pu euh, avoir euh, l'événement virtuel de ce soir. Donc, merci beaucoup. Et j'aimerais terminer avec une petite mention. Si en tant que diplômé de l'école de pémétrie, vous avez des idées ou des suggestions d'activités à nous partager, vous pouvez me contacter aux coordonnées que vous retrouverez dans le chat. Donc, vos idées sont les bienvenues pour pouvoir créer les activités qui vous touchent, qui vous rejoignent. Euh, donc, maintenant, c'est le moment de vous quitter. Donc, j'aimerais vous dire, euh, au nom de toute l'équipe, euh, je vous souhaite euh, une belle soirée. Merci d'avoir été là et au plaisir de vous retrouver bientôt.